and welcome to lecture number 8 in the second IHF Live Online Symposium. My name is Courtney Gahan and I am your moderator for this lecture today. Today's translation information is a little bit different than usual. As this lecture is going to be presented in French, today's translation languages are English, Spanish, and Arabic. You can use these functions only if you're joining us on Zoom, and you can find them at the bottom of your screen by clicking the globe icon marked Interpretation and selecting the label for your language. If you're watching this on Facebook right now, please check the comments where we will share the link to this webinar so you can join us on Zoom if you have an account. This second IHF Live Online Symposium is part of the Virtual Academy introduced by the IHF last year to enable global online learning. All of this is part of the IHF Education Center, which you can find at ihfeducation.ihf.info. This second IHF Live Online Symposium is focused on development trends in the game, consequences on training methods for coaches, and tactical training for referees. This symposium includes a total of 9 live lectures presented by top handball experts from around the world. And today's presentation comes from PAOK Handball coach and president of the European Professional Coaches Association, Thierry Anty, and focuses on which handball do we expect for the future. This lecture is being recorded, so you will be able to access it later on demand on both the IHF Education Center and on our Facebook page. And please do feel free to ask questions throughout, and we will address as many of those as we can at the end. Just a reminder again, this lecture is in French, so if you need to hear the English, you'll need to use the translation today. So Thierry, welcome. We're ready to begin when you are. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique, à l'Océanie et à l'Europe. Donc, je suis Thierry Anty, entraîneur français depuis 30 ans maintenant, une seule expérience à l'étranger avec le Sporting de Lisbonne. Je suis le représentant des coachs français. Je travaille avec la Ligue professionnelle, bien sûr. Je suis membre de la Ligue professionnelle. Je travaille avec le ministère. Je travaille avec les députés, les parlementaires sur le sport. Et bien sûr, surtout sur le handball. Donc aujourd'hui, je voudrais juste amener une réflexion. Ce n'est pas de critiquer des décisions d'arbitre, ce n'est pas d'affirmer des choses comme coach, non. Je crois qu'aujourd'hui, il faut harmoniser ce que nous pouvons faire ensemble. Les arbitres, les règles, les coachs et les joueurs, bien sûr, qui sont sur le terrain. Donc, quel handball nous pouvons avoir demain? Ma réflexion portera surtout sur quel contact nous pouvons encore tolérer à l'avenir. Next. Thorsten. Ok. Nous allons parler un peu, bien sûr, de l'histoire. Pourquoi? Parce que le handball a toujours cherché à faire évoluer ses règles pour être plus spectaculaire et pour aussi protéger les joueurs. Donc, depuis les Jeux olympiques de Moscou en 80, beaucoup de règles ont évolué pour cela. Nous sommes un sport de contact, j'ai dit. Donc, next, maybe next in the history, and next again, we'll see after that. OK. So, c'est, je l'ai dit, très important de comprendre et bien comprendre les règles. Et nous, coach, nous devons aussi mieux les expliquer aux joueurs pour qu'il y ait le moins de problèmes sur le terrain et que quelque part,
tous les acteurs du jeu aident à avoir un sport qui va plaire et qui va être spectaculaire. Next. OK, donc dans l'histoire, comme je l'ai dit, hein, j'ai parlé de l'histoire depuis les 1980, les Jeux Olympiques de Moscou, notamment sur tout ce qui est les sanctions sur les joueurs, sur la règle 8, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on ne doit pas faire. C'est un sujet qui préoccupe toujours, bien sûr, la Fédération internationale et régulièrement après chaque Jeux olympiques. Next, OK. So, je disais que nous sommes un sport de contact. C'est un peu notre spécificité, si vous comprenez bien. On peut toucher un adversaire, on peut bloquer un adversaire et stopper une action. La différence avec, par exemple, le basketball, différence avec le volleyball. Donc, nous sommes un sport de contact. Nous avons parlé que, next, que les règles ont évolué. Donc, next again, it's not a problem, this, with the rules, yes, voilà. Mais toutes les règles qui changent obligent les entraîneurs à modifier leur entraînement, les consignes qu'ils donnent aux joueurs, et bien sûr, ils font évoluer le jeu. Donc, ça a une influence sur la tactique. Les règles influencent le jeu, les règles influencent la tactique. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, next, je crois que le rôle de l'entraîneur qui est très important, c'est de comprendre les règles pour mieux faire jouer son équipe et bien sûr faire mieux jouer ses joueurs. Les joueurs doivent savoir les actions qui sont acceptées, tolérées, et les actions aujourd'hui qui sont interdites et qu'il ne faut plus faire. Et ce n'est pas si simple pour un coach de faire changer les habitudes de jeu que certains joueurs ont acquises depuis plusieurs années. Mais c'est le rôle de l'entraîneur aussi de dire à ses joueurs, tu peux faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et cette action, c'est terminé. Maintenant, dans le handball, tu ne peux plus jouer ça. Donc ça, c'est le sujet un peu qu'il y a derrière mon thème, hein, sur quel handball demain, quel contact accepter. C'est aussi le rôle de l'entraîneur qui doit être là aussi pour aider à l'arbitrage, et aussi que les arbitres et les coachs puissent se comprendre le mieux sur le handball que l'on veut. Et ensuite, on va donner les consignes et on va expliquer aux joueurs. Alors, j'ai pris les actions. Voilà, next again, c'est l'adaptation of the coach. OK, I explain this. OK, hein, l'entraîneur est là pour parler à ses joueurs, pour expliquer. C'est important aussi. Il faut imaginer que les coachs sont aussi responsables pour que le spectacle d'un match se déroule le mieux possible. Voilà. Next. Alors, j'ai délimité surtout les actions en défense. Les actions en défense, puisqu'on va parler du contact. J'ai déterminé des zones où chaque joueur va en défense être amené à peut-être avoir un contact ou non. Donc, next, 5 zones, simple. La défense sur le pivot, bien sûr. La défense sur les arrières, backline. La défense sur les ailiers. La défense en contre-attaque. Et aussi la défense dans un espace aujourd'hui
beaucoup utilisé pour des raisons tactiques, l'espace entre le défenseur 1 et défenseur 2. Voilà, interval 1-2. Donc, sur ces cinq situations, nous allons voir, next, voilà, again, please, Thorsten, ok, voilà. Nous avons les cinq situations qui, dans le jeu de défense, sont à chaque fois amenées à être jouées le mieux possible et posées, si possible, le moins de problèmes aux arbitres et aux coachs. Next. Alors, le premier, c'est la défense sur l'ailier, défense à l'aile. Nous allons voir des vidéos et je dirai ce qui me semble essentiel dans chaque vidéo. Et je répète, ce n'est pas ici le moment de discuter si l'arbitre a pris une bonne ou une mauvaise décision. C'est plutôt de regarder ce que le joueur en défense fait, son action en défense. Et est-ce que c'est aujourd'hui autorisé encore? Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il y a aussi des actions à discuter pour le handball de demain? Donc, nous allons voir des vidéos, Thorsten. Voilà, vous allez voir donc des situations autorisées, interdites et à discuter. J'ai essayé de prendre des vidéos significatives, mais ce n'est pas toujours très, très simple, puisqu'on peut penser, en voyant une action, comme je l'ai dit, que « Oh là, l'arbitre a pris une mauvaise décision ». Non, c'est pas le problème. Regardons les actions et essayons d'imaginer tous ensemble ce qu'on pourrait faire demain. Donc, Thorsten, you can put the first video if you want. It's not a problem. L'action à l'aile, bien sûr. L'action à l'aile, elle est de voir sur la fermeture de l'angle. Première vidéo. Alors là, très intéressant, parce que le joueur allemand, en l'occurrence, a vraiment arrêté son action bien avant pour que l'ailier ne soit pas en danger. Il vient, il arrête nettement avant, il est stable, il n'y a pas de souci. C'est une action, je pense, qu'aujourd'hui, qui est acceptable et autorisée. Deuxième vidéo. Second. C'est une action de fin de contre-attaque et regardez le numéro là. Il faut interdire ce genre d'action qui est vraiment très dangereuse. Sur un tir de l'aile, on voit arrière ailier et là, percussion, contact dangereux. Les joueurs doivent apprendre à ne pas faire ça. Troisième vidéo. Là, il y a discussion. La différence avec la première vidéo, avec Vitchek, c'est que là, sur cette vidéo, c'est mon équipe en noir. Le joueur a été trop loin et vous voyez, l'ailier a pris l'impulsion sur son pied et c'est une action qui, en plus, a été sanctionné d'un carton rouge ce jour-là, peut-être très sévère, mais le problème n'est pas là. Le problème est, si on peut revoir encore, if we can see one more time, Thorsten, please, l'action du défenseur qui aurait dû s'arrêter avant, un peu avant. Il va un peu trop loin, trop vite, et c'est dangereux. Et ça, c'est une action qu'il faut aussi apprendre aux joueurs.
entre la première vidéo que vous avez vue et celle-ci, il y a une différence. Le joueur va trop vite et trop loin. Il doit arrêter son action un peu avant. Next vidéo. Alors là, il y a un problème plus pour les arbitres. On va revoir. One minute, please. Regardez le travail de l'ailier qui va couper la zone pour venir en défense. Il faut être très sévère avec ce genre d'action. Ce n'est pas possible. On revoit l'action. Regardez, l'occurrence d'Esca. Il coupe. Ça, il faut dire aux joueurs et les arbitres doivent aussi interdire le fait qu'on puisse, quand on défend en poste 1, de venir fermer un angle en coupant la zone. Ça, c'est une action que je voulais montrer car ça, c'est très dangereux pour moi et vraiment, vraiment, il faut que les joueurs ne fassent pas ça. Ne fassent pas ça. Je crois qu'il y avait encore une vidéo ou pas, Thorsten? Oui. Celle-ci, elle est d'un joueur qui ne fait pas l'action d'aller au contact. C'est l'attaquant qui va au contact. Donc, pour moi, le défenseur a bien agi, mais il y a eu un petit contact. Donc, là aussi, ça, c'est des… Il y aura sanction, bien sûr, de 2 minutes, mais c'est à discuter. C'est vraiment une discussion à avoir avec les arbitres. Mais c'est pas très net comme situation. Donc, juste pour revenir sur le travail de l'aile, je crois que quand on défend à l'aile, sur les ailiers, il faut faire attention à ne pas avoir une action qui va blesser le tireur. Voilà. Ensuite, nous avons ce fameux espace beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce que les coachs, par exemple, peuvent, avec leur gardien de but, décider de ne pas laisser tirer les ailiers. Donc, dans ce cas, l'intervalle, l'espace entre le défenseur 1 et 2 va être ouvert. On va provoquer beaucoup de tirs, beaucoup de situations pour les joueurs arrière d'aller tirer quasiment dans la zone. Et là est le problème. Qu'est-ce qu'on peut accepter comme comportement défensif? Thorsten, first video, you can do. Voilà, pour moi, cette situation est une bonne défense. Le joueur n'est pas encore dans l'espace, il n'est pas dans la zone, il a été attrapé avant. L'adversaire demande le passage en force, mais ça c'est aussi problématique. On reviendra sur cette question. Mais pour moi, l'action du défenseur est bonne et doit être acceptée. Alors après, le pénalty, les 2 minutes, si on accepte ce genre de contact encore dans le handball, il n'y a pas à avoir de sanctions plus importantes, peut-être juste une faute à 9 mètres. Mais ça reste à discussion. Mais pour moi, c'est une bonne action de défense de la part du joueur de Paris. Ça, c'était contre Barcelone. Next. Là, vous allez voir, ce n'est pas la même chose. L'action du numéro 2 est très dangereuse. Regardez. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est sanction et c'est très dangereux. Là, c'est le joueur numéro 2 qui ferme l'espace, mais vraiment avec un contact qu'on ne peut pas accepter. Et encore, vous voyez que le banc de touche de l'équipe blanc
demandent le passage en force. C'est pour ça que nous devons tous ensemble, les arbitres, les coachs et les joueurs, essayer d'adopter les bons comportements par rapport aux règles. Ça, c'est très dangereux. Donc, situation the next, vidéo. Alors, cette fois-ci, c'est le numéro 1 qui est en défense, qui va fermer l'espace entre 1 et 2. Mais c'est un peu la même action. C'est une action qui est dangereuse. C'est une action qu'il ne faut pas faire pour moi. Voilà. Avec la simulation, en plus du passage en force, encore une fois. Mais là, si on revoit l'action, il y a vraiment l'espace pour le joueur et ça peut être quand même très dangereux. Et je crois que ce type d'action doit être, pour moi, sanctionné aussi. Le joueur doit apprendre à ne pas faire ça. Il saute sur l'attaquant qui va au but. C'est un espace aujourd'hui où il y a beaucoup d'actions et il faut faire attention. Next. OK. Celle-ci est difficile. Intervalle extérieur, voilà. Donc, on va d'abord parler de la situation. Vous allez voir l'ailier de défense qui ne veut pas un tir de l'aile. Option, pas de tir de l'aile. Donc, l'intervalle est ouvert. Le défenseur touche un peu le joueur en suspension. La faute n'est pas énorme, mais il faudrait aussi la discuter parce que c'est une situation qui peut aussi être dangereuse. Le but est marqué, mais je crois que l'action du défenseur, là, ne devrait pas être celle-ci. Lorsqu'il voit que le joueur a pris l'impulsion, il devrait laisser tirer avec un angle fermé, avec un joueur arrière qui arrive en situation plus de duel avec le gardien, ce qui est moins son habitude que le joueur qui joue à l'aile. Voilà. Donc ça, c'est une situation qui peut être discutable, mais ce sont des actions qu'il y a souvent aujourd'hui dans les matchs de handball, aussi bien chez les filles, bien sûr, que chez les garçons. D'ailleurs, je n'ai pas mis de vidéo de filles, excusez-moi, hein, mais c'est parce que c'était plus pratique pour moi de prendre des vidéos sur les matchs de garçons. En plus, là, c'est mon équipe aussi qui joue en blanc, donc c'était un peu plus simple. Je ne crois pas qu'il y ait une autre vidéo, Thorsten, sur ce sujet-là. Hein. Voilà, OK. Donc, pour le moment, on a vu les actions sur le côté. Est-ce que l'équipe décide de laisser tirer l'ailier? Alors, est le problème du défenseur numéro 1 sur son action sur l'attaquant ailier? Ou est-ce que l'équipe et la tactique est décidée de laisser ouvert l'intervalle, l'espace entre 1 et 2 pour obliger les arrières à venir tirer. Il y a bien sûr le choix des gardiens de but, parce que les gardiens de but vont décider, je préfère le tir de l'aile, non, je préfère le tir de l'arrière. Donc, c'est des situations aujourd'hui sur les côtés du terrain qu'on a souvent. Et donc, des situations de contact, d'action défensive qu'il faut contrôler au mieux. On verra pourquoi après. Maintenant, la défense sur le pivot. Ça, c'est plus… Il y a eu beaucoup d'évolutions sur la défense sur le pivot ces dernières années. Avec, dans un premier temps, une grande protection du jeu avec le pivot qui fait que chaque équipe a commencé à jouer beaucoup plus autour du pivot, avec le pivot. Parce qu'il était très difficile pour le défenseur de pouvoir avoir une action défensive sur le pivot attaquant. Aujourd'hui, on regarde aussi les fautes que peuvent faire les pivots sur le défenseur. Okay. Mais nous avons aussi beaucoup de situations de duel à s'y mettre. Ce que je vais vous montrer, pour moi,
qui me semble essentiel, c'est comment on peut défendre sur le pivot une action qui serait normale dans un duel, comme un duel face à face, arrière-défenseur. Là, le pivot est de dos, défenseur de face. Il va y avoir un duel. À quel moment le défenseur, s'il perd le contrôle du duel, doit arrêter son action? Et s'il arrête son action, il ne doit pas être sanctionné pour moi. J'aimerais ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Exemple, première vidéo. First. Voilà, un exemple pour moi. Il y a ceinturage, peut-être, mais le défenseur stop, contrôle, comme il pourrait le faire d'un joueur arrière. Il ne perd pas le duel, il a l'avantage, il bloque le joueur, il stoppe l'action. Comme nous avons parlé au début, au handball, on peut toucher un adversaire, on peut bloquer un adversaire, on peut stopper une action. Donc, pour moi, c'est une action qui ne doit pas être punie, je dirais, d'une faute. Faute à 9 mètres, mais pas plus. Deuxième vidéo, seconde vidéo. Ça, pour moi, c'est l'action idéale de défense. Un défenseur qui tourne et qui arrive à toper le ballon. Il y a une très légère faute, mais ça, ce n'est pas toujours possible. Donc là, c'est l'action un peu idéale de venir sur la trajectoire de la passe. Mais que se passe-t-il la plupart du temps? Troisième vidéo, next. Là, on retrouve la même situation que la première vidéo. Défenseur est derrière, mais il voit qu'il perd le duel et il stoppe son action. Donc, il serait bien peut-être qu'on accepte ça, cette défense sur pivot, et dès l'instant où le joueur arrête son action, de ne pas sanctionner plus que ça. Au pivot de prendre l'habitude de peut-être chercher un meilleur équilibre avant le tir. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo pour moi, c'est que le défenseur voit, il sent qu'il perd le duel et il stoppe son action. Si on arrive à apprendre à nos joueurs à faire cela et qu'on soit en harmonie avec l'arbitrage, ce serait vraiment une très bonne chose pour l'avenir du handball, pour moi. The next, vous allez voir problème. Alors, c'est un peu la même situation, mais il va y avoir quand même une faute là. Voilà. Donc, là, il est logique qu'il y ait une sanction. Parce que le joueur, le 10, Sorrento, aurait dû, à ce moment-là, ne rien faire. Voilà. Il doit apprendre, à ce moment-là, à laisser tirer le pivot. Donc, il est logique qu'il y ait une sanction. Regardez. Là, faute. Bon. Donc, ça, pour moi, c'est une action que le joueur doit apprendre aussi à ne pas faire s'il ne veut pas être sanctionné. Parce que la sanction,
on reparlera plus tard, le problème de toutes ces actions pour les coachs, c'est la double sanction. Si un joueur fait cette faute qu'il sait qu'il ne doit pas faire et que la sanction est pénalty, 7 mètres, pardon, et 2 minutes, c'est une double sanction qui est extrêmement pénalisable pour l'équipe. Next. Prochaine. Là, on peut discuter. Le défenseur est dans le dos. Il y a un petit contact. Est-ce que ce contact-là doit être sanctionné par... C'est... On peut discuter. Next. Vous voyez là, on va voir la même situation quasiment, une petite action du défenseur sur le pivot. Le pivot ne trouve pas son équilibre. L'arbitre laisse l'avantage et laisse le jeu. Je serais plutôt pour ce genre de décision. Tout à l'heure, nous avions le joueur de Barcelone, Sorrento, qui a fait une faute qu'il ne doit pas faire. Et là, on voit que c'est juste un contact au départ, mais ensuite, il n'y a pas vraiment de faute quand le pivot tire. Donc après, c'est toujours à discuter, mais est-ce qu'il faut supprimer ces actions défensives aussi et les sanctionner ou être plus tolérant à l'avenir? C'est un sujet sur la défense, sur le pivot. Et une dernière action, je pense, où il doit y avoir peut-être une dernière action qui est plus… c'est tout, c'était la dernière… It was the last one, Thorsten, non? Non, this, look. Vous avez vu au début de l'action, quand on voit… Là, il n'y a pas une grosse faute. Il n'y a même pas vraiment de faute. Après, au ralenti, on voit un peu, il est poussé. Après, le joueur accentue la faute. Et c'est pour ça que l'arbitre donne 2 minutes. Donc là, c'est aussi une action très, très discutable. Pas seulement pour l'arbitre, discutable aussi de pourquoi le joueur... aurait-il dû ne pas toucher rien du tout, ne pas toucher du tout le joueur? Là, est-ce qu'il a juste contrôlé? C'est difficile. Mais on peut aussi très bien apprendre au joueur que dans cette situation, il ne faut pas toucher le tireur. Il ne faut pas toucher le tireur. C'est aussi nous qui devons aussi, nous les coachs, qui devons expliquer un peu les règles et faire en sorte que durant le match, le joueur fasse le moins d'erreurs possible pour ne pas être, bien sûr, sanctionné par l'arbitre. Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt une réflexion. Mais les fautes sur le pivot, c'est maintenant quelque chose qui n'est pas simple pour arbitrer, pour les arbitres. Le duel, 1 contre 1, pivot-défenseur, ce n'est pas simple. Sur le joueur arrière, pour moi, c'est une situation qui devrait, dans l'histoire du handball et même dans notre jeu, être relativement simple à arbitrer et simple à apprendre pour les joueurs. Si le contact est de face, face à face, je pense que notre sport peut accepter ce type de contact. On sait très bien que sur un débordement, on ne peut pas pousser un joueur dans le dos
On sait aussi qu'on ne doit pas le pousser sur le côté. C'est très dangereux comme action. Donc là, normalement, avec les joueurs, les situations, pour moi, devraient être plus simples. Mais on va avoir un autre problème qui va venir. Nous allons regarder les images, les vidéos. Voilà. Pour moi, cette action défensive dans le handball, elle doit être acceptée. Il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de... C'est un contact d'un défenseur sur un arrière. Mais maintenant, dans le handball, on a tendance à sanctionner beaucoup les contacts, et beaucoup les contacts quand il y a des joueurs qui tombent au sol. Et c'est un problème. Alors, est-ce que demain, dans le handball, on doit dire aux joueurs en défense, sur une attaque d'un joueur arrière, de ne pas faire cette action? Je pose la question. Mais c'est une question qui va provoquer une évolution de notre jeu dans les années à venir. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on veut enlever tout contact dans notre sport? C'est compliqué. Pour moi, cette défense, elle est correcte. Bien sûr, il y a un ballon pour l'attaque encore, bien sûr. Mais pas de sanctions plus fortes que ça. Next vidéo. Voilà, ça, c'est une action dangereuse. Parce que le joueur pousse sur le côté. Même si Sagosen, le joueur, accentue la faute, il est vraiment poussé sur le côté. Ça doit être interdit. C'est dangereux et ça doit être sanctionné. Le joueur en défense doit savoir que un arrière qui s'engage devant lui, il peut le contrôler, il peut le stopper. S'il a perdu déjà le duel, parce que le joueur est sur le côté, il ne doit pas pousser. Il ne doit pas faire de faute. S'il le fait, il y a sanction. Et dans ce cas-là, le coach peut ne pas être content aussi. Next vidéo. Là, il y a discussion. On peut parler. L'action n'est pas super forte. L'attaquant va être de face. Voilà. Est-ce que c'est un contrôle? Est-ce qu'il a poussé le joueur un peu en suspension? C'est difficile pour les arbitres de prendre la bonne décision. Moi, je pense que ce genre d'action, elle n'est pas spécialement violente. Elle n'est pas violente. Pour moi, le défenseur est quand même devant l'attaquant. Alors, peut-être qu'il est en l'air. Alors, il fait une action peut-être un petit peu forte. Il faut qu'on discute de ce genre de choses pour dire aux joueurs, là, si le joueur est en suspension, dès qu'il est en suspension, tu ne peux pas le toucher. Tu peux, par contre, le bloquer avant qu'il saute. C'est une chose qu'il faut imaginer à discuter encore plus avec l'arbitrage, pour donner les bonnes informations aux joueurs. Mais c'est assez simple pour moi, la défense sur les joueurs de ligne arrière, parce qu'ils s'engagent de face et qu'on peut, dans ces situations, accepter sans doute là un peu plus de contact. Je me résume. À l'aile, pas de contact. Pas de contact à l'aile. Très dangereux. Intervalle 1-2, peut-être contact si le joueur n'a pas encore été complètement dans l'espace. Sur le pivot, contact, accepté, mais arrêter le contact quand le duel est perdu. Systématiquement, apprendre ça, stopper son action quand le duel est perdu. Sinon, c'est la double sanction, c'est la sanction normale.
sur la ligne arrière, on peut tolérer le contact. Et après, on va venir à la dernière situation, et ça fait… Next video. On sait depuis plusieurs années que sur des contre-attaques, le défenseur ne doit pas avoir d'action qui peut être donc dangereuse, donc avec contact sur quelqu'un qui court. Après, la différence, elle est où ? Elle est que le joueur qui revient en défense peut essayer de couper la route du contre-attaquant. Comme exemple, le défenseur va essayer de gêner. Ce n'est pas une grosse faute pour moi. Ce n'est pas dangereux. Le joueur, bon, on reviendra au problème du flopping après, mais là, pour moi, il essaye de réduire l'angle de tir. Il y a un petit contact. Alors, peut-être qu'il faut ne pas faire ça, le petit contact. Et if you can put again, yes, look, he go back, but at one moment, à un moment, il va toucher. Touche. Regardez. Et c'est pour ça que l'arbitre donne la sanction, je pense, bien sûr. Regardez, il va revenir. Là, il vient. Mais là, contact. Non, ça peut être dangereux. Surtout, nous allons voir après, je pense, stopper toute action entre 9 mètres et 6 mètres. Là où le joueur attaquant va prendre son impulsion pour tirer. Là, je pense que dans cette zone, entre 9 mètres, 6 mètres, il faut vraiment faire aucun contact. Aucun contact. Next. Regardez cette situation, c'est net là. C'est une grosse faute. Ça, c'est vraiment interdit. Ça, c'est stupide. Faute stupide. Jeu rapide, jeu de contre-attaque. Le joueur est derrière. Il ne doit pas faire une faute. Bon, il dit que peut-être il essaye de tomber le ballon, mais non, ce n'est pas possible. Ça, c'est apprendre aux joueurs, ça, tu ne dois pas faire. Ça, tu ne dois pas faire. Et après, le coach, si le joueur fait ce genre de faute, moi, comme coach, je vais dire au joueur, je ne vais pas crier dessus, mais je vais lui faire comprendre qu'il a fait une grave faute, que c'est pas bien pour l'équipe, qu'il ne doit pas faire ça, qu'il a été stupide de faire ça. Mais c'est le sujet du jeu de la faute en défense sur la contre-attaque. C'est déjà depuis plusieurs années que, au niveau de l'IHF, il y a eu cette réflexion. Regardez maintenant la dernière action. C'est plus compliqué. Alors, nous sommes encore avec un petit contact entre 9 mètres et 6 mètres, mais l'attaquant va provoquer la faute. Il sent le défenseur et il va venir avec son bras venir provoquer un contact. Alors, c'est à discuter parce que peut-être que le joueur de défense aurait dû stopper complètement son action. Et c'est vrai aussi que l'attaquant a provoqué l'exclusion et la sanction. Donc là, c'est difficile à interpréter. Voilà. Je crois qu'il faut apprendre aux joueurs vraiment comme coach et bien harmoniser ça avec les arbitres que quand on revient, on appelle ça en France le repli défensif, le repli when you go back, ok, defense. Tu peux courir, tu peux gêner la course de l'attaquant, mais jamais le toucher. Jamais le toucher. Si tu le touches, il va y avoir faute. Il va y avoir faute, 7 mètres, 2 minutes, et quelque part, il faut vraiment apprendre ça aux joueurs. Bien sûr, surtout pas pousser, bien sûr, surtout pas pousser, mais ça on sait, ça on sait. Alors, les conséquences de tout ça.
Il y a trois cas. On est les acteurs du jeu de handball. Je dis, les arbitres sont des acteurs. Les joueurs, bien sûr, sont des acteurs. Les coachs sont des acteurs. Alors, la question qui pose problème aux coachs, c'est la double sanction. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le handball, il y a trop de double sanctions? Est-ce la faute des joueurs? Est-ce la faute des coachs qui n'expliquent pas bien aux joueurs les règles? Est-ce que les règles deviennent trop sévères? Mais ça, c'est un problème de coach. La double sanction, c'est quelque chose, excusez-moi, qui énerve. Énerve quand on est coach. Oh, penalty, ok, mais pas penalty et 2 minutes. Non, c'est trop. Ou 2 minutes, mais pas penalty. C'est toujours dans le jeu, c'est un problème qui est relationnel, souvent, entre l'arbitre et les coachs, la double sanction. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit améliorer dans le futur. Les arbitres, les coachs, bien sûr, les coachs et les joueurs. Le problème des arbitres, il est où aujourd'hui? Le problème des arbitres, c'est le flopping des joueurs. C'est le flopping des joueurs. Par exemple, deux vidéos. Thorsten, if you can put the video on flopping, please. Look, c'est très difficile pour les arbitres. Ce n'est pas possible si les joueurs continuent à avoir… Regardez, il y a eu léger contact et le joueur se jette complètement alors que… On y reviendra en d'autres temps, jamais il n'aurait fait ça. Et là, l'arbitre est obligé de sanctionner. Alors, le joueur ne doit pas toucher, peut-être, mais ça, c'est un léger contact. Il peut y avoir ça, donc, sur le jeu rapide, contre-attaque. On a vu tout à l'heure dans l'espace 1-2, le petit contact qui peut être accentué avec du flopping. On a vu une action, la dernière action sur le jeu du pivot, où peut-être Pekeler, l'Allemand, a un peu accentué le contact. Et on a vu aussi peut-être Sagosen sur le tir d'arrière. Autre vidéo, next. Le flopping, c'est ça aussi. Regardez. Ligne, attaque d'arrière, un contact et deux contacts, il n'y a pas faute. Mais le joueur fait un geste de la tête qui veut montrer aux arbitres qu'il a été touché à la tête et donc provoquer une sanction. C'est du flopping, ça aussi. C'est très difficile pour les arbitres. Regardez, il y a un contact à la poitrine, il y a eu un premier contact. Si on peut revoir again one more time, Thorsten, please. Look, first. Maybe at the beginning, Thorsten, if you can put again. Look. Cross, croisé, contact. L'attaquant est vraiment venu dans la défense. Il n'y a pas de faute, mais il fait le mouvement de la tête. Ça, c'est le problème des joueurs. C'est le problème des arbitres, mais c'est quelque chose qu'il faut stopper le plus vite possible dans le handball. Je sais que l'IHF et les arbitres, les règles, on essaye de contrôler ça. Mais dans la problématique aujourd'hui que je pose, acceptons-nous le contact dans le handball? Quel contact on accepte encore? Quel contact on veut supprimer? Il faut aussi, évidemment, stopper le flopping. Ce n'est pas possible. Les joueurs peuvent eux aussi avoir un problème, c'est dans la décision de l'arbitre, next, avec le passage en force. Là, c'est le cas d'un pivot, mais voilà. À quel moment c'est l'attaquant qui fait la faute sur le défenseur, donc le contact, mauvais contact et passage en force, ou est-ce que c'est le défenseur qui vient faire le contact sur l'attaquant? Donc, ça veut dire que là, c'est aussi des choses qui, pour les joueurs, posent problème.
des fois, dans les décisions d'arbitre, ils ne sont pas d'accord. Mais là aussi, il faut expliquer un peu mieux le passage en force, parce que pour les joueurs, c'est une situation de contact défensif qui doit être, normalement, s'il y a passage en force, qui doit être une action positive pour la défense. C'est-à-dire que nous allons gagner le ballon. Mais là aussi, c'est difficile. Donc, le problème du contact, le problème des actions défensives à permettre ou interdire, concrètement, dans le jeu, les conséquences, elles vont être, bien sûr, sur les doubles sanctions, sur les passages en force, bien sûr, et bien sûr, sur le flopping, le cinéma, l'attitude de certains joueurs. Next. Voilà. Je voudrais vous montrer une dernière vidéo. Il y a eu le problème en France à la fin du championnat sur un match très important. Il restait peut-être 10 secondes. Donc, c'est l'action de fin de match sur laquelle les défenseurs doivent faire très attention à ce qu'ils font. Sinon, vous connaissez la règle, c'est carton rouge et 7 mètres. Voilà, lorsqu'il y a une forme de anti-jeu, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, cette action-là était la dernière action du match. Et là, pourquoi je montre ça? Puisque, regardez, le défenseur pense qu'il a eu une action correcte, mais l'arbitre va donner le pénalty, 7 mètres. Et pour moi, si on accepte le contact, il y a aussi une notion d'intensité du contact. Là, le contact est trop fort, il est de face, bien que un peu de côté, mais le contact est trop fort, trop violent et dangereux. Dangereux, le joueur, en l'occurrence Simonet, argentin, a été à l'hôpital. Voilà, avec commotion cérébrale. Voilà, donc il y a eu une grosse discussion, il y a 7 mètres, non, il n'y avait pas 7 mètres. Mais si je vous montre cette action, c'est pour dire que c'est difficile d'évaluer le contact même régulier et qu'il y a des contacts qui sont trop forts et qui peuvent être dangereux. Et donc, c'est aussi à nous tous de donner la bonne information aux acteurs. Alors, ma conclusion, si je dois conclure sur cet échange, c'est d'abord, moi, je me pose la question, quel handball demain peut-on avoir si on continue, parce que je pense qu'on est en train de faire, on continue à beaucoup sanctionner tous les contacts. Est-ce qu'on va devenir un sport où il n'y aura presque plus de contacts? Ou plutôt, jusqu'où allons-nous dans la sanction du contact ou la tolérance d'accepter le contact? C'est une interrogation pour les années à venir, je pense. Et le deuxième sujet qui me semble fondamental, parce que je suis comme ça, c'est qu'est-ce que je peux dire à mes joueurs? Qu'est-ce que je dois dire à mes joueurs? S'il défend sur l'ailier, s'il défend sur le pivot, s'il défend central, s'il défend en poste 2 ou 5, tu peux faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Pour éviter notamment les doubles sanctions, pour éviter des pénalités. C'est aussi le rôle du coach, et déjà dans l'entraînement, bien sûr dans l'entraînement aussi, de dire aux joueurs, voilà, là tu dois stopper ton action. En contre-attaque, tu dois arrêter, à tel moment tu dois arrêter. À l'aile, à tel moment tu dois arrêter. Sur le pivot, à tel moment tu dois arrêter.
et après être en harmonie avec les arbitres. Parce que si moi, coach, je dis, quand tu perds le duel sur le pivot, tu stoppes ton action pour ne pas prendre une double sanction, et que le joueur le fait parce qu'il doit apprendre à changer ses habitudes. Parce que c'est, pour beaucoup de joueurs plus âgés, c'est aussi changer des habitudes. Si derrière, à la suite, l'arbitre sanctionne, on ne peut pas se comprendre. C'est pour ça que je dis que si on doit améliorer encore, et tout le monde veut améliorer notre sport, c'est tous les acteurs ensemble qu'il faut discuter de ça, les arbitres, les coachs, les joueurs. Je sais, et je peux le dire aujourd'hui, que depuis quelques années, à l'IHF, il y a cette volonté de parfois réunir les arbitres et les coachs pour parler du jeu, pour dire sur telle action, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut siffler, ça il faut laisser jouer. Donc il y a depuis quelques années cette volonté de travailler ensemble pour faciliter le jeu. Et je pense que ça, c'est une très, très, très bonne chose. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, je vais laisser un peu de temps pour des questions. Et j'espère que d'avoir parlé d'un sujet qui est vraiment un sujet d'avenir et un sujet qui peut être important pour notre sport. Thank you so much. So, everybody, please send your questions. We haven't received so many yet. So let's just begin with this. It's not exactly related to what you've talked about, but somebody asked your opinion about the 7-6. How do you... It's always a big topic. What is your opinion? Do you think this has changed handball a lot? Alors, j'ai hésité entre faire une intervention sur le jeu à 7 contre 6, justement, et ce sujet-là. Pourquoi ? 7 contre 6, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, c'est certes nouveau dans le handball, et c'est un handball qui est plus statique automatiquement, c'est-à-dire que c'est un jeu plus statique, moins en mouvement que lorsqu'on joue à 6 contre 6. Au départ, c'était peut-être pour trouver plus facilement une occasion de but, mais moi, je l'ai travaillé longtemps, parfois une année, avant de permettre à mes joueurs de le jouer en match. Parce qu'il faut accepter de jouer sans gardien, il faut contrôler beaucoup plus la perte du ballon, et les joueurs n'aiment pas ça. Donc le problème tactique, il est, à mon avis, pas à ce niveau-là pour moi. Aujourd'hui, moi, ce que je pense du jeu à 7 contre 6 est plutôt stratégique. Et j'ai utilisé ça dans des matchs, je peux dire, avec succès. Comment ? C'est pas de la prétention, c'est juste, j'essaye d'être elle. Pourquoi stratégique ? On peut utiliser le 7 contre 6 pour casser le rythme d'un match. Deux avantages pour contrôler le tempo du match. Soit parce que vous ne contrôlez pas le match. Et le fait de jouer à 7 contre 6 va modifier le tempo, le rythme du match, de la partie, et ça peut troubler l'adversaire. Rien que parce que vous mettez cette situation où l'attaque va être plus longue, où la défense ne peut pas jouer exactement la même chose, où parfois on ne peut pas obtenir le ballon de contre-attaque de la même façon. Ça peut perturber vraiment le jeu offensif adverse
pas seulement la défense, le jeu offensif adverse, parce que l'utilisation du 7 contre 6 peut casser le tempo du match. Donc, quand vous êtes dominé, ce n'est pas seulement trouver une occasion pour marquer un but, une option pour marquer un but, c'est aussi pour troubler le tempo du match et peut-être revenir à un meilleur niveau dans le rapport de force. Je ne sais pas si vous voyez, si dans l'égalité un peu. Une équipe domine et une équipe domine, moi, je suis dominé. Des fois, jouer 7 contre 6 peut ramener un peu égalité. Et des fois, ça permet d'inverser. La deuxième chose, stratégiquement, quand vous ne voulez pas changer trop vos joueurs, faire des changements de joueurs, de remplacements, le fait de garder vos joueurs majeurs, vos joueurs clés, the key players, okay, vous les faites jouer un certain temps, 4 ou 5 minutes à 7 contre 6, ils récupèrent physiquement et vous n'avez pas besoin de faire des changements ni d'utiliser un time-out, par exemple. C'est pour ça que moi, le 7 contre 6, je le vois plus comme une utilisation stratégique de jeu que comme option tactique d'attaque. Après, sur la philosophie du handball, je préfère le jeu en mouvement que le jeu statique. Donc, je ne suis pas fan, je suis pas fan du jeu à 7 contre 6, non. Mais si c'est maintenant une partie du handball, je suis coach, je dois m'adapter. Je dois m'adapter. Mais je ne suis pas fan du jeu à 7 contre 6. Alors qu'avant, on a toujours pu jouer à 7 contre 6. C'est surtout le fait de faciliter le changement de gardien. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Donc c'est plus le problème du chasuble que du jeu à 7 contre 6. Thank you. I know you weren't prepared to talk about this, but this is a question that comes up very often. So I It thought was that you clear? Yes, it was suggested. clear. My answer was clear. Yes. Yes, very good. Okay, I hope. Okay, let's move on to somebody asked a question about the last video you showed, this match from the French League. He said, you showed the defender stops the attacker in front. Why, can you explain a bit more about why you think this was a bad foul? Lorsque j'ai découpé cette vidéo, il manque le plan large. Là, vous avez vu, c'est le ralenti, c'est la vidéo est proche des acteurs. You understand, Courtney? Yes. Donc, il manque le plan large. Sur le plan large, vous voyez l'action du défenseur qui est pour moi violente, trop forte, trop forte. C'est une situation de dernier moment du match. Donc, les arbitres, je pense, ont eu raison de donner le 7 mètres. Pourtant, j'aimerais qu'on accepte ces contacts-là sur arrière, de face. Mais là, sur cette dernière action, l'action est trop forte. On sait que dans ce moment-là, dans les dernières secondes d'un match, on ne peut pas faire une action qui va être jugée comme anti-jeu, comme vraiment bloquer le jeu. Donc, je crois que là, c'était un exemple pour dire que oui, je suis pour qu'on accepte encore les contacts dans le handball, mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Et là, c'est un exemple où, normalement, dans le jeu, normal, dans le jeu de première mi-temps ou avant, on peut accepter. Mais sur la dernière action,
cette action est trop forte pour moi. Mais c'est pour ça aussi que c'est toujours très difficile pour les arbitres de trouver chaque fois la bonne solution. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. C'est pour ça que j'ai montré cette action. Mais pour moi, je comprends que les arbitres aient décidé le 7 mètres. Mais sur cette vidéo, au sol, hein, down, bas, on ne voit pas vraiment bien l'intensité du contact. On la voit mieux sur le plan large, mais c'est ma faute parce que quand j'ai coupé la vidéo, on voit seulement l'action en bas. Mais ça a été une grande discussion en France ici. C'était 7 mètres ou non ? C'était 7 mètres ou non ? On accepte ça ou non ? C'est dangereux ou non ? On peut faire ou non ? C'était vraiment un sujet de… C'était un match très important, de plus, entre deux équipes du haut du classement, un derby. Et c'était match nul. C'était match nul. Pour la dernière action, match nul. Okay. Yes, it just takes a little bit, the small delay for the translation. Just further along the lines of this same thing, somebody asked then how, I think this is more from a referee standpoint, how do you think referees can distinguish between what is too violent? Too violent. You mean? Okay. I understand the thing. Yes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais je crois que ce qui est très positif, c'est sur les discussions pour faire évoluer le jeu et appliquer, c'est-à-dire appliquer. Ça veut dire mettre le règlement, les règles vraiment strictes. Il faut la discussion et les échanges et les réunions entre les coachs et les arbitres aussi. Les arbitres sont là pour appliquer le règlement et les coachs voudraient que les arbitres appliquent le règlement en laissant le jeu s'exprimer. Ce n'est pas simple, c'est difficile, je sais. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbitres qui essayent de parler, d'échanger avec les coachs, et j'espère aussi des coachs qui veulent parler avec les arbitres et non pas juste critiquer les arbitres. Moi, par exemple, ceux qui me connaissent savent, je suis un coach qui est très actif pendant le match, qui peut mettre un peu la discussion avec les arbitres, contester les décisions. Mais je suis toujours le premier à parler avec les arbitres après le match, des fois un jour ou deux après le match. Je suis le premier à aller aux réunions avec les arbitres pour essayer d'harmoniser ça. Ça veut dire qu'il y a le moment du match, mais il faut aussi, en dehors des matchs, avoir ces temps de réflexion. Et on ne peut pas être coach et dire que le problème de l'arbitrage, l'évolution des règles, mais pas seulement dans le choix de choisir de nouvelles règles, c'est l'application des règles. Vous comprenez, l'application, c'est comment on applique le règlement. Les coachs doivent participer à ça. On ne peut pas critiquer et avoir un coaching expressif le temps d'un match et en dehors du match, ne pas participer à une seule discussion avec les arbitres. C'est pas correct. Pour moi, c'est pas correct. Donc,
je dirais que pour les arbitres, il faut aussi les aider, c'était mon idée, c'est les aider aussi à pouvoir arbitrer le match avec les règles, mais en laissant le jeu s'exprimer comme les coachs aimeraient le plus possible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Yes, that was great. Thank you. Okay, let's talk a little bit. Somebody asked a bit about how you discuss rule-related things with your players. You've talked about how this is the coach's responsibility. Can you elaborate a little bit about how this works in your team? Oui, par exemple. Alors, je prendrai un exemple après. D'abord, j'explique comment je fonctionne avec les joueurs. Si je dis à un joueur, écoute-moi, maintenant, dans le handball actuel, tu ne dois pas faire ça. Donc, on va discuter de ce que tu peux faire autre chose. Voilà, défendre. Défendre à l'aile. Premier exemple. Tu ne peux pas faire ça. Si tu le fais, tu vas être sanctionné. Donc, durant les entraînements, bien sûr qu'il y a des situations de jeu où on va pouvoir réaliser cette action, pas de problème. Si le joueur, au match, dans un moment important, fait cette faute que je lui dis de ne pas faire, je vais être très en colère après lui. Je vais être très en colère avec lui. Peut-être je vais le changer, peut-être je vais le sanctionner. Vous voyez, on a parlé tous les deux. Je t'ai dit, tu ne fais pas ça. Et tu fais ça en match à un moment important. Ce n'est pas bon pour l'équipe. Tu peux faire perdre le match à l'équipe. Alors, après, il faut changer les comportements. Si on dit à un ailier, par exemple, si tu restes parallèle à la ligne de la zone, à la ligne des 6 mètres, quand tu vas défendre, tu risques de faire une action dangereuse. L'arbitre va te sanctionner. Alors, prends une autre position. Par exemple, d'agir plus sur la ligne de la passe que d'agir sur l'homme, sur le tireur. Voilà. Alors après, c'est des corrections. C'est des corrections sur des positionnements, sur des orientations, sur des décisions. Et sur le pivot, par exemple, si à un moment donné, je dis à mon défenseur, quand tu peux, comme on a vu avec Thiago, le Brésilien de Barcelone, si tu peux passer devant le pivot, c'est parfait, excellent. Mais dans le match, des fois, tu ne peux pas. Donc, quand tu es derrière le pivot, tu sais que l'arbitre peut te sanctionner. Donc, à ce moment-là, tu dois faire attention à ton action. Au début, peut-être, et si ça devient un problème parce que tu perds le duel, stop ton action. Et si, par exemple, je dis dans un temps mort à 2 ou 3 minutes de la fin, maintenant, les joueurs, faire attention, ne pas être sanctionné de 2 minutes. Et que le défenseur sur le pivot ne stoppe pas son action et prend une double sanction de 2 minutes, je vais être très en colère. Parce que ça, c'est un handicap pour l'équipe. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a bien sûr le dialogue, parler avec le joueur. Il y a des situations à mettre dans l'entraînement. Il y a aussi des comportements, des actions défensives à changer. Sur les joueurs arrière, sur le pivot, sur l'ailier. Bon, en contre-attaque, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et l'intervalle 1-2, c'est un choix tactique de coach. Quand l'intervalle 1-2 est ouvert, c'est un choix tactique de coach. C'est 4 fois sur 5 situations, c'est un choix tactique de coach. C'est pas seulement la continuité d'une action où la défense est maintenant en retard, vous voyez, en retard
il y a une situation de 2 contre 1 d'un côté ou des choses comme ça. Non, souvent, c'est des options tactiques. On laisse beaucoup l'intervalle 1-2 aujourd'hui dans le handball, en défense, et notamment même en défense 0-6. Okay, we have a couple of questions that are more just interest in your opinion about some things that have been discussed in recent years. Somebody asked, what do you think about a shot clock in handball? Shot clock. Like a set amount of time for the attack, like in basketball. Avec le temps. Pardon? C'est-à-dire? Je ne comprends pas là. C'est un temps de jeu maximum. Ah oui, of course. Ouais, ok. Ah oui. Non. Il y a plusieurs années, il a été testé, je crois que c'était en Espagne, dans un tournoi, il y a très longtemps, une règle pour mettre une attaque à 45 secondes. Ça n'a pas été concluant. Je ne crois pas que le temps de jeu, comme au basket, soit une bonne chose pour le handball. Mais peut-être je me trompe. Je crois pas parce que le handball a vraiment bien fait évoluer ses règles pour le rendre plus rapide. C'est-à-dire que on a vu l'évolution des règles dans les contacts ou sur la protection du joueur. Mais imaginez aujourd'hui que les plus grandes règles qui ont fait évoluer le handball, c'est sur la possibilité de jouer plus vite, d'avoir plus d'action, d'avoir plus souvent le ballon, de favoriser, si je peux dire, plus l'attaque que la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les possessions de balles, il y a beaucoup plus de possessions de balles pour chaque équipe qu'avant. Donc, si en plus, on voit que l'évolution des règles a fait que le handball aujourd'hui utilise beaucoup mieux l'espace de jeu de tout le terrain, c'est un sport qui va vite. Donc, cette règle de donner du temps pour l'attaque, possession de balle en attaque, je crois qu'elle n'est pas nécessaire. Peut-être, j'avais imaginé ça, mais je dis peut-être, qu'on donne un temps pour obliger l'équipe de son propre camp à mettre la balle dans le camp adverse. C'est-à-dire que parfois, il y a beaucoup de temps mort pour le ballon. Le temps qu'il peut passer de la zone du gardien, par exemple, s'il n'y a pas eu but, à passer la ligne du milieu, de la ligne médiane. Changement de joueur, discussion, jouer en marchant, voilà. Si l'équipe n'a pas joué de jeu rapide, contre-attaque ou autre, des fois, il y a un temps un peu mort. Mais je ne suis pas sûr même que ça soit urgent comme problème. Par exemple, dire, vous avez 10 secondes pour mettre le ballon de l'autre côté, dans l'autre demi-terrain. Il pourrait y avoir un pressing défensif, il pourrait y avoir… Mais ce n'est pas sûr que ça soit une bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, le handball a bien fait évoluer ses règles pour le rendre beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Et il est vraiment un sport qui a vraiment gagné en rapidité. Vraiment. Alors, la règle du temps, surtout que j'entends que le jeu passif pourrait diminuer de 6 à 4 passes, ça devrait aussi aider encore à… Ça devrait encore aider à accélérer le jeu, peut-être.
Okay, and along those lines of future developments, somebody else asked, what do you think about the idea that has been discussed of having three referees for a match? Alors, le problème, s'il y a trois arbitres, c'est qu'il va y en avoir trois qui peuvent me mettre un carton jaune. Ça, c'est dangereux pour moi. Non, l'idée, plus sérieusement, l'idée n'est pas stupide. Pourquoi ? Parce que le handball va plus vite. Si on veut être très précis dans les décisions, il y a des endroits où l'arbitre ne peut pas bien voir. Même nous, coach, quand je suis coach et que mon équipe joue une action de handball en diagonale à l'opposé, en attaque ou en défense, je suis un menteur si je dis que j'ai bien vu l'action. Ce n'est pas vrai. Je vais dire des fois parce que c'est le coaching, mais je suis un menteur à ce moment-là. C'est le même problème pour les arbitres. Ça va vite. Ils peuvent avoir des endroits où c'est très difficile de voir. C'est compliqué. En plus, si on accepte ces changements, et notamment avec le jeu sans gardien, il y a des choses qui peuvent échapper aux arbitres, même si des fois c'est le problème de la table de Marc. Mais ça va vite. Après, le problème, quand on est deux, quand on est tout seul pour prendre une décision, c'est facile. Quand on est deux, il peut y avoir une discussion. Si on est trois, ça peut être un peu plus compliqué pour prendre la bonne décision. Mais ça peut être aussi un avantage. Je terminerai en disant, quand il y a quelques années, je ne sais plus exactement, peut-être la dernière Olympiade, 3 ou 4 ans, le basket a fait passer ici en France de 2 à 3 arbitres. La plupart des coachs étaient contre. Aujourd'hui, ils sont tous pour. Donc, okay, thank you so much. I think we'll end our question time there. You've answered many different questions, so thank you so much for sharing your opinions and knowledge. So everybody, we will finish up there. Thank you again, Thierry, for your lecture. And tomorrow we are back for the final lecture in this second IHF Live Online Symposium at 2 p.m. Central European Summer Time. And we are with Seong Ok Oh, who is IHF analyst and former head coach of the Republic of Korea Women's Youth National Team, also an Olympic medalist. We've had her in the live symposiums before. And her topic is the importance of pass feints in modern handball. So we will see you tomorrow. Thank you, Thierry. Thank you, everyone, for joining us today. Goodbye.